Donc maintenant, nous allons regarder des vidéos de la pré-finale et de la finale pour la catégorie des minimes. Ensuite, nous allons observer les résultats. Pour cette catégorie minime, nous sommes sur la grille de départ pour cette pré-finale de ces petits pilotes. Alors, on a numéro 8, c'est Jules Lagarrigue, Barcel, Lucas Bouche, Jules Collin et Simonet qui ferment la marche. Extinction des feux, c'est parti. Très bon départ de Jules Lagarrigue. Lucas Bouche, Simonet à l'intérieur. Est-ce qu'il va passer? Non, c'est Lucas Bouche deuxième, Simonet troisième, Barcel 4 et derrière, c'est Jules Collin. Alors, ils ont entre 7 et 9 ans, mais ils ne lâchent absolument rien, ces petits bonhommes. Il se fait passer, Lucas Bouche, il se fait passer par Jules Collin, il me semble. Et il est passé également troisième, Barcel, qui colle la pression cette fois-ci à Jules Collin. Derrière, c'est Simonet. Et pour terminer, Lucas Bouche. Barcel qui se rapproche de Lagarrigue. Collin qui tente de faire l'intérieur à Simonet, mais ça ne fonctionne pas. Alors, ça bagarre, mais on l'a dit, ils ne vont rien lâcher. Effectivement, Alexandre Barcel semble se rapprocher de Jules Lagarrigue. Il est chez lui, Barcel, c'est son circuit. C'est là où il a appris. C'est là où il évolue régulièrement à l'école de karting de Villars. Donc, il la connaît par cœur, cette piste. Effectivement, il est bien revenu derrière Jules Lagarrigue. Et il lui colle une pression du diable. Là, dans ce virage, est-ce que ça passe? C'est passé. Il aura gagné 3 places, Alexandre Barcel, devant Jules Lagarrigue, Melvin Simonet et Jules Collin. Lucas Bouche termine 5e. Et en même temps, il aura fait le meilleur temps, Alexandre Barcel. Nous nous retrouvons avec cette catégorie minime sur la grille de départ, mais pour la finale cette fois-ci. Voici Jules Lagarrigue, le numéro 8, qui est en deuxième position. Le premier, vous l'avez à l'écran, c'est Alexandre Barcel, le numéro 9. Derrière, il nous fait un petit signe, c'est Melvin Simonet, le numéro 4, en troisième position. Il a à sa gauche le numéro 5, Jules Collin. Et sur la troisième ligne, c'est le numéro 6, Lucas Bouche. Nos petits pilotes quittent maintenant le parc fermé et ils vont s'élancer pour leur deux tours de formation. On voit que la piste a séché. Elle a séché, mais ça glisse quand même puisque Jules Collin vient de partir à la faute dans le premier virage. Mais sans mal, il est reparti tout de suite. Donc il a réussi à rattraper le groupe. Et il a repris sa place, qui est maintenant le groupe qui est maintenant en formation. C'est très propre, nickel pour ces petits garçons. Extinction des feux, c'est parti. Très bon départ de Barcel. À l'intérieur, c'est Simonet qui va peut-être réussir. Non, non, excellente manœuvre de Lucas Bouche qui prend la troisième place au détriment de Melvin Simonet qui se retrouve cinquième juste derrière Jules Collin. Alors, on va attendre le prochain passage pour tout vérifier. On a bien Barcel, Lagarrigue, Bouche, Collin et Simonet. Les deux premiers semblent s'échapper légèrement. Tentative de Collin sur Lucas Bouche. Et non, non, ça touche à nouveau dans le même virage. Décidément, il ne réussit pas, Jules Collin, ce virage. Ils repartent quand même, mais ils auront perdu beaucoup de temps. Et Jules Collin repart dernier. Ça profite à Melvin Simonet qui se retrouve troisième. Un peu plus loin derrière, c'est Lucas Bouche. Il va falloir revenir, mais ça va être très très dur. Et dernier, Jules Collin. Encore loin derrière Lucas Bouche. Voici Lucas Bouche et Jules Collin. Alors, Barcel Lagarrigue, Simonet, léger écart entre les deux premiers et le troisième. Lucas Bouche, il ne lâche pas Barcel Lagarrigue, il l'aimerait bien, lui aussi gagner cette finale, ça l'arrangerait au championnat, il y a des points à prendre.
Jules Collin qui est assez rapide et qui semble revenir sur Lucas Bouche. Le troisième, Melvin Simonet, qui fait un peu la course un peu tout seul. Et oui, c'est bien ça, il me semble que Jules Collin revient sur Lucas Bouche de manière assez rapide, tandis que Lagarrigue ne lâche pas Alexandre Barcet. Ah, encore de la marge, il va falloir beaucoup cravacher s'il veut revenir, Jules Collin, après son erreur. Barcet qui se fait attaquer par Lagarrigue. Il manquait pas grand chose, un petit peu de vitesse et ce serait passé sinon. Donc vous le voyez, ne se lâche pas les deux premiers. Je vois passer Bouche, Collin. À nouveau une tentative, une attaque de la part de Lagarrigue. Toujours pas assez rapide, il manque très peu de choses pour que ça fonctionne à l'intérieur du premier virage. Mais on l'a déjà dit, Barcet, il est chez lui, il est à domicile, il la connaît par cœur cette piste. Donc ça va être dur d'aller le chercher, surtout qu'il a vraiment décidé de revenir avec la coupe du premier ce week-end. Donc il ne fera pas de cadeau, mais Lagarrigue non plus, il a la hargne. Simonet toujours troisième. Et derrière Lucas Bouche et Jules Collin qui est presque derrière Lucas Bouche. À nouveau une tentative de Lagarrigue. Ça ne fonctionne pas. Il manque encore un ou deux mètres pour qu'il puisse être à l'aise à l'intérieur de ce premier virage. Et voilà le Jules Collin qui talonne cette fois-ci Lucas Bouche. C'est le dernier tour. Est-ce que Lagarrigue va profiter peut-être d'une erreur de la part de Barcet? Mais Barcet n'a pas l'intention de se laisser faire. Là aussi, Lucas Bouche qui est talonné par Jules Collin qui est vraiment derrière cette fois-ci. Il a réussi à revenir. Et sous le drapeau à damier, c'est Barcet qui laisse éclater sa joie derrière Lagarrigue. Très belle course par ces deux petits bonhommes devant. On attend le troisième qui ne devrait pas tarder. Melvin Simonet qui était quand même assez loin. Et c'est Jules Collin qui passe devant Lucas Bouche dans le dernier virage. C'était quand même un petit peu chaud, mais c'est passé quand même. Alors, attendons la grille pour voir un petit peu ses résultats. Alors, Barcel, Lagarrigue, Simonet, meilleur temps pour Lagarrigue. Bouche, Lucas, 4e et 5e, Collin, puisqu'il a pris 3 places de pénalité pour défaut de maîtrise. C'est sûrement dû à sa mauvaise manœuvre dans le premier virage, quand il a sorti Lucas Bouche. Dommage. Bon, alors, messieurs, nos jeunes se sont bien bagarrés. Oui, belle bagarre, on les a vus. Belle bagarre. Il y en a un qui commence à monter en puissance, c'est le petit Alexandre, ouais. Alexandre Barcel. Ah oui, il a bien progressé, oui. Il nous a prouvé ça sur la pré-finale et la finale. Bon, il était chez lui, une piste qu'il connaît par cœur. Ça il connaît, ça c'est clair. Mais on voit qu'il monte en puissance, puisqu'il a fait aussi la course club de Montbrison au début du mois de juillet, et c'est lui qui remporte dans sa catégorie. Belle bagarre, belle maîtrise. À surveiller le petit Alexandre, je pense qu'il progresse beaucoup, c'est prometteur. Il va les embêter cette fin de saison. Ouais, il va aller les chatouiller. Ouais. Alors Patrick, au championnat, qu'est-ce qu'on obtient maintenant? Au championnat, ce qu'on obtient maintenant, c'est Jules Lagarrigue qui finalement prend la tête. Prend la tête devant Evan Gardès. Devant Evan Gardès, exactement. Qui n'était pas là. Il n'était qui était pas absent. Là. Non, tout il n'était pas venu. Donc, du coup, il n'a pas marqué de points. Donc, il a joué son joker. Il a joué son joker. Et il n'a plus droit à l'erreur maintenant. Attention. Non. Il doit gagner absolument. Sur les deux manches suivantes, il faut qu'il fasse de bons résultats s'il veut rester dans le trio de tête. Donc, bravo à Jules Lagarrigue qui prend donc la tête de ce championnat régional. Exactement. Avec 330 points, je crois, c'est ça, oui. Avec 330 points, 290 pour Evan Gardès. Et il n'est pas loin, le petit Barcet? Non, il n'est pas loin, 246 points. C'est très peu. Ouais, c'est alors, bien, ça remonte, ça devient serré, c'est bien. Oui, ça va bagarrer, ils vont devenir très ténueux. Après, il y en a deux qui suivent pas très loin non plus, à 222 et 220 points.
Lucas Bouch et Melvin Simonet. Tout à fait. Finalement, peuvent aussi prétendre à se bagarrer avec les autres. Hein. Tout à fait. Plus difficile pour les autres concurrents, mais bon, Baptiste Auriol, on ne l'a pas revu. On ne l'a pas revu, mais il devrait être là normalement pour Montbrison. Ouais. À noter aussi pour Jules Collin de beaux progrès, puisqu'on l'a vu dans les vidéos, il était quand même là pour animer quelques courses. Bon, oui. Il a poussé un petit peu, on l'a vu aussi dans un certain virage, mais c'est un enfant qui progresse énormément, un bon pilote. Je pense que cette fin de saison, il sera là aussi pour participer à quelques duels sur la piste. Oui, ça nous promet de jolies courses. Alors, puisqu'on parle de Montbrison, de la course club, il va y avoir normalement des nouveaux en minime. On devrait avoir normalement Oscar Chetail, issu de Villars, qui devrait commencer donc la compétition en minime, puisqu'il était à la course club également. D'accord. Et puis Baptiste Auriol, qui devrait revenir aussi. Et puis un nouveau de Villars aussi, Enzo Pintor. Donc, quelques petits bouchons qui arrivent. Voilà la relève, enfin, qui arrive en fin de saison. C'est bien. Ils vont venir un peu grossir des rangs de nos grilles de départ et ce sera nettement plus sympa. Ça sera bien plus sympa, effectivement, parce qu'à 5 ou 6 pilotes, c'était pas... Le suspense était rarement de mise. Mais bon, là, avec deux concurrents en plus... Ça va être intéressant. C'est l'intérêt de ces fins de saison aussi, puisqu'il y a beaucoup de pilotes qui progressent et les écarts se réduisent. Les écarts donc, sans dire qu'ils vont gagner aussi, mais on dit qu'ils participent aussi au spectacle un peu plus. Ils essaient aussi de grappiller les premières places. Exactement. Donc les gars, eh bien, épatez-nous et faites-nous plaisir. Donc maintenant, la pré-finale des cadets. Les cadets qui sont une catégorie très remplie. Oui, il y a beaucoup de monde. Oui. Ils étaient 18. La limite. Ouais. La limite, heureusement, oui. Mais c'était les seuls qui étaient très nombreux sur la piste ce week-end-là. Ouais. Ouais. Oui. C'était assez impressionnant, d'ailleurs. Les départs étaient assez impressionnants et les courses aussi. Ouais. Ouais, ça faisait. Ça se resserre. Ça se resserre vite. Sur une piste qui commence à sécher, on aperçoit donc Valentin Rébérol, Hugo Piastrino qui sont en première ligne, Sacha Durie qui s'installe, le numéro 16 Antoine Séarl, derrière il a le numéro 8 Martin Piastrino, à la droite de celui-ci voici le numéro 5 Ewan Caro, Alex Montiou le numéro 4. Derrière le rookie cette année, celui qui débute en compétition, Quentin Morlaix. Tandis qu'on aperçoit le numéro 11 qui est légèrement en retard pour s'installer. Il s'agit de Jules Rambaud qui va prendre sa place sur la deuxième ou troisième ligne. À côté, le numéro 14, c'était Achille Gentil. Numéro 17, Lola Filis. Nous voici avec le numéro 2, Jolan Racamier. Et derrière, le numéro 1, de 21, pardon, c'est... Théo Larue. Le numéro 19, voici Mathis Robin, dont on avait beaucoup parlé à Varennes lors de son accident pendant les chronos. Devant lui, il a quelqu'un qui est très très concentré, c'est Lina Seners, numéro 15. Numéro 18, on a perçu Jules Néel. De nouveau une féminine avec le numéro 6, c'est Mathilde Magan. Et pour terminer ce tour de grille, voici le numéro 12, Julien Bouche. Les pilotes quittent le parc fermé. On voit que la piste a bien séché pour cette pré-finale, même si quelques zones sont encore mouillées, sont encore humides. Donc les voici en formation, c'est très propre. Du beau travail. On commence quand même à être habitué pour la plupart, mais c'est toujours agréable à regarder. Effectivement, on voit à gauche un espace très très humide. Ça pourrait glisser, il pourrait se passer certaines choses peut-être à cet endroit-là. Attention à l'extinction des feux, c'est parti. Donc Rébérol, Durie qui essaie de passer, qui va garder sa deuxième position. Piastrino, Rambaud, Caro qui essaie de prendre l'ascendant. Est-ce que ça passe? Ça passe pour Piastrino qui a doublé Durie. Durie, Caro qui va se faire doubler par Rambaud. Non, il résiste. Alors voyons voir au virage prochain ce
que l'on obtient. Les voilà qui arrivent. Alors, Rebeyrolle, Piastrino, Dury. Petite erreur donc de Searle. Et il y en a deux qui sont accrochés. Il y en a deux qui se sont accrochés. Il y en a un qui repart. Et c'est Valentin Rebeyrolle qui a du mal à redémarrer. Il a peut-être cassé quelque chose, tandis qu'on voit que le reste du peloton a déjà passé la ligne droite. Il redémarre Valentin Rebeyrolle. Il redémarre, il repart assez vite. Il va falloir qu'il se dépêche s'il veut gagner en nouveau quelques places. Et là encore un pilote qui est sorti, c'est Théo Larue qui a fait une sortie de piste. Il m'a semblé que celui qui menait le bal, effectivement, c'est le numéro 5, c'est Ewan Caro. Il a derrière un petit troupeau de furieux qui est mené par Sacha Dury, me semble-t-il. On va vérifier ça dans ce virage. Caro, Dury, Piastrino, Montiou, Rambaud et Piastrino Martin. Et voici Jolan Racamier, Mathilde Magan. C'est bien ça, c'est bien le petit Ewan Caro qui résiste à tous ces gens et qui a même tendance à en distancer certains. Ewan Caro, Sacha Dury qui essaie d'attaquer, ils se sont rapprochés derrière. Non, je pensais que ça allait attaquer ici. Montiou, Rambaud, Piastrino, un petit groupe en tête. Il me semble au loin que ça passe, Sacha Dury est passée, elle a passé Ewan Caro. Ainsi que Hugo Piastrino, c'est bien ça. Donc derrière, il va y avoir encore Montiou, Rambaud, Piastrino, Racamier, Magan et Bouche. Et on aperçoit Morlaix. Alors là, c'est Piastrino qui vient de doubler dans cette épingle. Sacha Dury se sont accrochés, Caro et Montiou. Ça a profité à Rambaud et Piastrino. Caro qui doit se retrouver à la 6e place maintenant. Alors, on avait Hugo Piastrino en tête. On attend le prochain passage. On est impatient de voir ce qui se passe en tête de course. Ah, tandis qu'on a Lola Finis qui est sortie de la piste, qui essaie de sortir son quart. Elle est repassée devant Hugo Piastrino, Sacha Dury. La voilà qui arrive dans la ligne droite. Dury, Piastrino, Rambaud, Piastrino, Montiou. Caro, Racamier, Magan. Voilà pour les 6 ou 7 premiers. Mathilde Magan. Et on aperçut le casque de Julien Bouche, le numéro 12. Alors Dury, Piastrino, toujours sous pression. Rambaud, Montiou qui attaque Piastrino. Et Achille Gentil qui se fait doubler. Il a pris à nouveau un tour. Tandis qu'au fond, on voit Lola Filis bien déçue de ne pas avoir pu repartir. Et j'ai aperçu également Valentin Rebeyrolle qui a gagné pas mal de places, qui revient comme un boulet de canon. Je pense qu'il tient à gagner un maximum de places pour partir correctement en finale. Alors, on a vu Antoine Searle qui va se faire rattraper par Sacha Dury, Piastrino, Rambaud, ça n'a pas bougé. Montiou a passé Martin Piastrino, toujours suivi par Ewan Caro. En jaune, on a aperçu Jolan Racamier, Achille Gentil, Mathilde Magan. Et voici Valentin Rebeyrolle qui doit avoir juste une ligne droite de retard. Il a dû repartir avec le mort entre les dents, vraiment furieux. Et souvent, ça donne des ailes si on ne commet pas d'erreur. On aperçoit Jules Néel, mais je pense que ces pilotes avaient déjà un tour de retard. Et là, Achille Gentil vient de terminer la course puisqu'il vient de passer sous le drapeau à damier. Voici donc Sacha Dury, Hugo Piastrino, Alex Montiou, Jules Rambaud. Et derrière, c'est le numéro 8, Martin Piastrino. On voit un très beau geste sportif. Sacha Dury et Hugo Piastrino qui saluent dès la sortie du kart. Donc on a bien confirmation des 5 premiers. Et Ewan Caro, très belle course, il a mené pendant quelques tours, est 6e. Derrière c'est bien Jolan Racamier. Valentin Rebeyrolle qui est 8e. Il a réussi à gagner 10 places puisqu'il est reparti dernier, il était 18e. À la fin de ce dernier tour, il se retrouve 8e, suivi par Mathilde Magan, Julien Bouche, Jules Néel,
Quentin Morlaix, Lina Seners, Achille Gentil, Mathis Robin, Lola Phyllis, Théo Larue qui est sorti, on l'a vu tout à l'heure, et Antoine Séarl qui semble avoir pris une pénalité de 3 places pour défaut de maîtrise. Ah, un accident qu'on n'a pas pu voir. C'est rare de se renseigner. Encore un autre geste sportif qu'on aime voir, 2 pilotes qui se saluent à la sortie du véhicule. Très classe. Donc, messieurs, un accrochage entre 2 pilotes ? Un accrochage entre 2 pilotes, oui. Un accrochage sur cette pré-finale entre Valentin Ribeirol et Hugo Pistrino. Oui, qui ont été appelés en commission sportive. Mm. Finalement, ça a été classé comme fait de course, donc pas de sanction. Pas de sanction. On a essayé on a voulu comprendre pourquoi avec les images qu'on avait. Et voici notre analyse. Donc, voici la photo du virage juste avant qu'il se touche. On voit qu'il y a deux trajectoires différentes. Donc, sur cette première flèche, vous avez la trajectoire de Valentin qui est assez large, qui est milieu de piste à peu près. Et derrière, on a Hugo Piastrino qui arrive un peu plus vite dans la mesure où il est à l'intérieur et qui a une trajectoire complètement différente. Donc, passé ce virage, forcément, Valentin va reprendre sa place sur la gauche. Et ils vont se toucher. Alors, la faute à qui? À tous les deux, en fait, puisqu'effectivement, Hugo Piastrino aurait dû tout de suite comprendre que Valentin allait reprendre sa place, et puis compte tenu de sa trajectoire, Valentin aussi aurait pu comprendre que quelqu'un allait se mettre dans l'espace où qu'il avait laissé libre. Voilà. Donc, classé sans suite. C'est ce qu'on a pu voir sur l'image, la faute à personne. C'est dommage que Valentin ne puisse pas repartir plus vite, puisqu'on a vu qu'il avait engorgé dans l'avant-dernier virage. Mais bon, il a fait quand même une belle remontée, il a fait une très belle finale qu'on va voir dans un instant. C'est dommage pour lui, mais il s'est quand même bien battu. Ça aurait pu être pire, je pense que c'est ce qu'il faut se dire. Oui, tout à fait. Et après, c'est vrai que c'est compliqué, parce que dans la tête des uns et des autres, tout se joue à des microsecondes. Donc, un incident peut très vite arriver, et le temps de réaction est vachement important. Ce ne sont pas des professionnels. Ce ne sont pas des pros. Ce ne sont que des enfants. Ce ne sont que des enfants, ils ont l'habitude de rouler, mais les choses vont très très vite. Ça va très vite, effectivement, donc on ne peut pas trop leur en vouloir. Non, on ne peut pas leur en vouloir, ni même dire il y a de l'intentionnel ou quoi que ce soit. Ce n'est pas de l'intentionnel, c'est des faits de course, comme la commission l'a souligné. Et après, effectivement, quand les enfants sont dans leur car, dans leur machine, dans leur casque, c'est avant tout leur machine qui prime. Et on ne se rend pas compte, quand on est dans une machine comme ceci, avec un casque, que tous les éléments qui se situent sur les côtés et derrière, on ne voit rien, on ne sent rien venir, on n'entend pas. Et puis il y a la concentration sur le virage qui va arriver, sur la vitesse, sur l'endroit où on doit freiner, ce qui veut dire qu'on occulte aussi certaines choses, peut-être parfois certains sons ou mouvements qu'on aperçoit à peine du coin de l'œil. Exactement. Ouais. C'est facile à observer, à critiquer. Nous, exactement, c'est très facile. Dans les fauteuils, voilà. On fait un petit ralenti, on fait un arrêt sur image, on peut observer. Mais c'est vrai que sur le moment, quand on est dedans, c'est complètement différent. Très très bien dit. Mm. La finale, on se la regarde ? On se regarde la finale. On veut savoir comment ça finit ? Ah ben quand même, ouais. Allons-y. Ça va, ça se passe bien ? Bof, là j'ai eu un pneu qui vient de crever en urgence. Ouais. Donc du coup il me l'a remonté. Et comment ça va depuis ton accident à Varennes ? Ça va. Ça va mieux ? Ça a été dur ? Ouais. Mais tu t'en es vite remis ? Bon, c'est très bien. Bonne chance pour tout à l'heure. Tu veux filmer ? Ouais, vas-y. Après cette petite interview de Mathis Robin, remontons la grille
vers la tête de course où les cadets sont déjà installés. Ils sont déjà concentrés, prêts à démarrer et en découdre à l'occasion de cette finale sur le circuit de Villars. On va leur mettre le drapeau vert, voilà chose faite. Et ils s'élancent sur la piste pour deux tours de formation. Afin de vérifier que les moteurs démarrent bien, que les pneus chauffent un petit peu. Et chacun prendra sa place sur la grille. Ah, il y a un pilote qui est un petit peu en retard. Ben, c'est Mathis Robin qu'on vient d'entendre il y a quelques secondes. Il a peut-être eu du mal à démarrer, mais il va sûrement rattraper l'ensemble du peloton et reprendre sa place lorsqu'ils vont se mettre en formation et avancer beaucoup plus lentement. Les voilà donc qui sont prêts. Ces cadets, 18 cadets. 18 cadets prêts à en découdre. S'observe, continue de se concentrer. Je cherche Mathis Robin, le voilà. Le voilà, il a rejoint le peloton et il va pouvoir prendre le départ avec les autres. Alors, attention là à ne pas voler le départ, attention à ne pas faire d'écart. Et c'est parti, extinction des feux, Sacha Durie, très bon départ. À l'intérieur, deuxième position en rouge, c'est Jules Rambaud. Très bon départ également de la part de Rébérol qui est quatrième, attaque sur Jules Rambaud. Derrière lui, c'est Evan Caro, Montiour, Acamier, Bouche. On aura la suite au prochain virage. Voilà, Acamier, Bouche, Piastrino, Martin. Alors, déjà un tour de bouclé, ça ne semble pas avoir bougé beaucoup. Alors, Acamier, Bouche, Martin Piastrino, derrière c'est Mathilde Magan. Acamier, Bouche, Piastrino, Magan, c'est Arles, Gentil, Néel et Larue. La tête de course, deux petits groupes, Sacha Durie et Hugo Piastrino. Et derrière, trois... Ah, Quentin Morlaix qui rentre au stand, il semblerait qu'il est crevé. Voilà, il n'aura pas fait deux tours, c'est dommage. Alors, je disais effectivement qu'il semblait qu'il y ait deux tours, deux petits groupes à l'avant. On aura l'occasion de le vérifier plus tard, tandis qu'Achille Gentil double Mathilde Magan et Antoine Serle en profite en même temps pour passer. Alors, Hugo Piastrino qui double Sacha Durie. Derrière, on a Jules Rambaud. Il m'a semblé voir Rébérol, Montiou. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça, Rébérol, Montiou, Caro, Racamier, Piastrino, Bouche, Céarl, Gentil, Magan, Néel et Théo Larue. Voilà Lola Phyllis, Mathis Robin et Lina Seners. Devant, ça bagarre toujours. Donc on a deux petits groupes, un groupe de deux, un groupe de trois dans les premières positions. Alors, Hugo Piastrino, Sacha Durie qui se fait un petit peu plus pressante. Elle n'a pas l'intention de lui laisser sa place. Il y a un doute particulier, pas de changement majeur derrière non plus. Alors, voyons voir qui va sortir en premier du dernier virage. C'est Sacha Durie qui a doublé Hugo Piastrino. Derrière, Rébérol est beaucoup plus pressant sur Rambaud, suivi de Montiou. Ça va se confirmer dans le virage où nous sommes. C'est bien ça. Rambaud, Rébérol, Montiou, Caro, Racamier, Piastrino. Elle est rapide, Sacha Durie. Elle est rapide. Il va falloir tenir. Il va falloir suivre.
Martin Piastrino qui est juste derrière Jolan Racamier, tandis qu'on va arriver un peu isolé au milieu du peloton Antoine Séal. Là on a Bush, Gentil, Magan, Larue, un petit groupe de 4. On va les revoir, les voilà qui apparaissent. Et juste derrière eux, le numéro 18, c'est Jules Néel. Retour sur la tête de course où il n'y a pas de changement majeur. Antoine Séal, autre virage, autre position peut-être, toujours Bush, Ribérol, Montiou, ça ne change pas pour cette troisième place. Martin Piastrino semble revenir sur Jolan Racamier. Sacha Dury qui a creusé l'écart entre elle et Hugo Piastrino, la voilà un peu plus en sécurité. Alors, oui, effectivement, Martin Piastrino revient assez rapidement sur Jolan Racamier. Le voilà. Il va peut-être tenter quelque chose ici. Non, là, c'est Achille Gentil qui essaie sur Bush, mais ça ne passe pas. Derrière lui, il a Mathilde Magan et Théo Larue. Ah, il semblerait que Alex Montiou soit passé devant David Valentin Ribérol. Voici les drapeaux bleus qui s'agitent pour que la tête de course ne soit pas gênée par les retardataires. Alors, c'est difficile de voir puisque maintenant ils sont tous un petit peu mélangés comme certains ont pris un tour. Il m'a semblé que Martin Piastrino était passé devant Jolan Racamier. Il y a un pilote au milieu de la piste là-bas après le dernier virage. Est-ce qu'on peut voir qui est-ce? Il m'a semblé que c'était un carte blanc. C'est Julien Bush. Tandis que la tête de course vient de passer avec Sacha Dury. C'est Rambo juste derrière lui. Là, Ribérol, Montiou qui était un petit peu plus loin parce que gêné par quelques retardataires. D'où l'importance des drapeaux bleus. Voici toujours isolé Antoine Séal. Et puis, dans le dernier virage, le petit groupe, tout à l'heure 4, mais qui est devenu 3 avec la sortie de Julien Bush. C'était Achille Gentil, Mathilde Magan et Théo Larue. Tandis que, on voit Sacha Dury qui a nettement creusé l'écart avec Hugo Piastrino. Il est beaucoup plus loin maintenant. Et derrière, on lutte ferme entre Rambo, Ribérol et Montiou. On a vu également Martin Piastrino qui rattrapait Ewan Caro. Et ici, c'est Mathilde Magan qui ne lâche pas Achille Gentil. Sacha Dury vient de passer, Hugo Piastrino, Valentin Ribérol, Jules Rambo, Alex Montiou. Et Martin Piastrino qui vient de passer Ewan Caro. Il vient de passer Ewan Caro. Il est maintenant sixième. Jean-Jacques Pendanx qui agite les drapeaux bleus pour ne pas gêner cette course à l'avant. Attention, effectivement, il y a quelques retardataires. Ça peut gêner, ça peut bouleverser quelques occasions. Ça peut parfois chambouler également un peu le résultat de la course. Attention à bien s'écarter. Alors là, on a toujours notre petit groupe de 3 à l'arrière qui bagarre. Achille Gentil, Mathilde Magan et Théo Larue. Les revoilà. Là, on a Antoine Séal. Et à la sortie du dernier virage, notre groupe de 3. Gentil, Magan, Larue, ça ne bouge pas, il n'y a pas vraiment d'attaque, on attend peut-être l'occasion, une erreur de l'un ou de l'autre. S'observe, tandis que Sacha Dury vient de passer, derrière elle, un peu plus loin, Hugo Piastrino, Ribérol, et je n'ai pas vu Rambo, il semblerait qu'ils sont en cinquième position. Jules Rambo, il s'est fait doubler,
Le panneau un tour est présenté au dernier du peloton et Sacha Durie passe maintenant sous le drapeau à Damier. Elle aura tout gagné cette année. Elle remporte également cette finale à Villars devant Hugo Piastrino. Et oh, surprise, c'est Alex Montiou en troisième position. Quatrième, Valentin Rébérol, suivi donc de Jules Rambeau. Voilà pour les cinq premiers. Les cinq premiers, on attendra qu'ils soient au parc fermé et que le tableau apparaisse pour voir les autres, puisqu'il y a, il y a quand même beaucoup d'importance à observer cette grille. Il y aura des points qui vont en découler pour le championnat. Et le petit groupe de trois qu'on observait tout à l'heure, sans changement aucun, puisque c'est toujours Achille Gentil, Mathilde Magan et Théo Larue qui ferment la marche sur cette piste. Voici Sacha Durie qui vient de rentrer au parc fermé, suivi par Hugo Piastrino. Salutations, comme le veut la coutume, salutations sportives entre les pilotes. Voilà notre tableau, donc c'est bien ça. Durie, Piastrino, Montiou, Rébérol, Rambeau pour les 5 premiers. 6e, Martin Piastrino. Ensuite, Ewan Caro, Jolan Racamier, 8e. Antoine Searle, 9e, il a gagné 9 places pendant cette manche. Achille Gentil, 10e. 11, Mathilde Magan. 12, Théo Larue. 13, Jules Néel. 14, Lina Seners. 15, Julien Bouche. Alors Valentin, week-end mitigé ? Ouais. Pas super ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, au final, je me suis accroché avec les deux personnes. Ouais. Et du coup, après, je remonte 8 en partant dernier. Et puis à la finale, je repars 8. Je ressors 4 ou 5 au départ. Et après, on a eu une belle bataille avec Jules et... Et ouais, oui, ça a été une belle bataille, ouais. C'était chaud. Ouais, dans le dernier virage, on était à côté. Et... Bah, j'ai vu, le dernier tour, là, c'était ouais. Chaud. Très, très dur. Ouais. Dans le dernier virage, j'ai eu un petit accro. Là, ouais, et, c'est ça, et puis ouais. Julie est reparti avant. Puis, ouais, c'est, comme on dit, c'est la course. C'est ça, ouais. Bon. Pour mieux la prochaine. Exactement, pour mieux la prochaine fois. Merci. Merci à Valentin Rébérol de répondre à nos questions. Je reprends rapidement le classement qu'on énumérait juste avant cette petite interview. On avait donc 15 Julien Bouche, 16 Lola Filis, 17 Mathis Robin et 18 Quentin Morlaix qui n'a pas pu finir sa course à cause de cette crevaison. Ah, c'est un écho. Ça va ? Oui. Content ? Oui. Bien roulé ? Oui. Bon, tant mieux. Bien passé ? Mais oui, très bien. On a suivi ça avec passion. Ouais. Elle est contente ? Ah bah je pense, faut lui demander. Ouais, allez la voir. Sacha ? Alors Sacha ? Si. Contente ? Quoi ? Contente ? Absolument. T'as bien roulé ? Ouais. Ça a été ? Ouais, bah, un peu au début au départ. Mais... Ouais. Hugo t'avait repassé, t'as réussi à le repasser après ? Ouais. Bon. Et après, t'as mis de la distance. Ouais. C'est bien. C'est bien. Ouais. Bon. Très bon week-end alors. Cool. Merci. Bien joué. Oui, bah c'était elle qui avait tenté. C'est bien joué pour elle. Elle en a profité, elle a bien raison. Ça a bien roulé. Bien, maintenant on va regarder les résultats du championnat, où on en est, pour oui, les cadets. Et c'est encore Sacha Durie qui obtient la première place. Ça te fait plaisir. Ah ouais, ouais ça je le prends mal de ta part.
Bon, moi, ce chauvinisme fini, c'est très bien. Donc oui, Sacha, encore en tête. C'est monotone quand même en cadet, parce qu'elle est tout le temps devant. Elle est devant, mais attention. Hein, ça se rapproche derrière. Oui, ça se rapproche derrière, parce que Hugo Piastrino a mené pendant quelques tours, on l'a vu, pendant la pré-finale et pendant la finale. Oui. Ça veut dire que les autres, comme en minime, les autres progressent et se rapprochent aussi. Alors, exactement, allons savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'elle va tout gagner? Voilà, va-t-elle tout gagner? Est-ce qu'elle va gagner les deux manches suivantes et puis accumuler le nombre de points maximum? Ça n'a pas dû se voir souvent. Ça se voit sur les petites catégories, généralement en mini-cart. Voilà, on l'a vu avec Yvonne Caro. On le voyait, mais en cadet, je ne pense pas... Je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça. Non, l'année dernière, c'était nettement plus serré le championnat, beaucoup puisque plus. Jusqu'à la finale, on était sûr de rien. Ah, exactement, oui. Alors que là, bon, on sent quand même qu'elle a pris une très bonne avance. Ah ben là, c'est fait, si on regarde les points. Valentin Rébérol la suit à 276 points. Mmh. Donc, 400 points à 276, il faudrait qu'il arrive... des choses pas sympas. En sachant qu'il y a quand même un joker à jouer, donc même s'il gagnait tout, s'il avait 100 points de plus, ce serait pas assez pour les voler sa couronne. Exactement. Donc, par contre, derrière Sacha, ça peut encore bouger. Ah, ça peut bouger, puisque donc on a Valentin, derrière on a Hugo, à 252 points, 220 points pour Alex Montiou. Mmh. Bon, ben, là, sur ces trois-là, les deux places du podium vont jouer sur ces trois personnes. Jules Rambaud peut prétendre aussi un petit peu à 172 points, un peu difficile, mais bon, on peut espérer quand même. Après, 165 points pour Jolène Racamier, et ainsi de suite. Mais ouais, sur les trois qui suivent, ça va être difficile d'établir le podium. Donc le championnat reste intéressant. Le championnat va rester intéressant, en tout cas. Bon, et bien vivement, mon voisin. Chouette.